coup, est-ce que c'est chat en émoto de lit? Bah, moi, je vais faire ça. Ouais. Au revoir, le chat. Ok, chat en émoto de lit. Je vais communiquer toujours avec les bis, bien sûr. Au revoir. Qui est-ce? Yes, je le connais. Alors, qui c'est? Napoléon. Ah oui, Napoléon, c'est Napoléon. Bonaparte. It's Bonaparte. Ouais, j'avais oublié que j'étais nul à ce truc. Bien sûr. R comme raciste. R comme raciste. C'est un super slogan, ça. Comment ça? À la forme passive. Comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Ah oui. Ça veut dire fort, je crois. Oh, c'est ma putain. C'est ma surprise. Passe, hein, pour moi, ouais. J'ai pas envie qu'il me pose un petit... comment on appelle ça? Un crochet. Un petit stérilet, là. Attends, quoi? Oh, la taille du stérilet, la taille du stérilet, oh, le stérilet. Stérilet en or, là. La taille du stérilet. Oh! Oh! Hop là, Marie. Isabelle. Marie! Marie Mendeleïev! Marie Mendeleïev! Oh non, non, Antoine. Ok. Oh, putain. Il va en mettre 8000, Antoine. Évidemment. C'est que 5, sinon, c'est... Hey, si vous mettez 6, c'est faux. Hein. Non. Non, non, non. Si vous mettez 6, c'est faux. Non, bah, ah ouais, mais plus. Antoine. Qu'est-ce qu'une figure de style? Comment, je sais pas le définir. Moi non plus. Oh, si j'ai pas les points, c'est scandaleux. Kélina Mandelbin, connu combien de temps? Ah, bien sûr. Oh, facile. J'en ai aucune idée, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Le Paris-Brest. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je sais que c'est ça. Et je sais même, je peux même vous dire pourquoi d'ailleurs. Moi aussi, je sais pourquoi. Quel est le nom de cette lettre grecque? Oh. C'est ça. Je savais ça. Bah, c'est un Y, non? Y. Non, c'est sûr que c'est pas ça, mais j'en sais rien. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est parti, les réponses. Réécrivez à la forme passive la phrase suivante. Le chat mange la souris. C'est la souris est mangée par le chat. Elle est passive. A été. C'est pas ça, étoile. Hein. Attendez, moi, j'ai l'idée, je l'ai, je pense que ça compte. Moi, c'est juste en vrai. En vrai. La souris se fait démonter par... Non, 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 c'est faux parce que c'est réécrivez la forme passive de la phrase suivante. Chat mangé souris. Non. Ah oui, mais... To choose, chose, chosen. Oh, c'est trop nul. Yeah. C'est bon. Il a pas mis le tout. J'ai pas mis chosen. Bon. To choose, choose. Non, après, t'as écrit choose avec deux O, la JDG, je veux te dire. Ah oui, c'est pas bah bon. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas bon. Ah non, ça, c'est faux. L'orthographe, t'as dit que c'était. Oui, mais sauf que là, c'est clairement. C'est une question de conjugaison et d'orthographe. Si t'es une conjugaison, pourquoi t'as le tout? Le mec, il a pas mis le tout avant et il ajuste. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, je suis désolé, c'est pas possible. Et alors, c'était bon. C'est quoi cette arnaque là? C'était bon pour le mec avant et moi, je me fais enculer. Non, c'est faux, c'est faux. Désolé, c'est faux. Ok, alors, ok, on retirera les. Bah oui, mais il a pas mis tout. Il a pas mis tout. Le tout, on s'en fout. Le tout, on s'en fout. Le tout, c'est tout. Le haut de trop, par contre, je vais me faire mettre. Oui, bah oui. Bah oui, je suis désolé. Le tout, on s'en fout. C'est chosen. C'est vraiment ces trois femmes qu'on a. Ouais, j'avoue que... Oh, vous chipotez de ouf, là. C'est Capitaine Crochet, tout à fait, du film Peter Pan. Aucune majuscule, aucun respect pour le nom. Si, je l'ai mis, là, regarde. Après, il a un stérilet dans la main, frère. Capitaine Crochet. Quel est ce logo? C'est des Volkswagen, tout à fait. J'ai mis un W. Non, mais après, l'orthographe, là, en vrai... JDG va devenir fou. Non, c'est bon, je le compte comme bon. Oui, c'est bon, il a mis un W. Volkswagen. Ça veut dire voiture du peuple en allemand. Bravo, tout à fait. Mais sauf que tu l'as pas écrit correctement, bouffon. Volkswagen. Oui, combien d'éléments compte le tableau périodique? Oh, 118. Ah, 10 près, c'est faux. Oh, c'est faux. 63, c'est faux. C'est bon. Hop là. Non, il était en émoto de lit, mon chat. Mon chat était en émoto de lit. Ils te l'ont mis, ils te l'ont mis en émoto. Donner 5 pays en Amérique, Nord, Centrale, Sud, Pérou, Guatemala, Bolivie, Uruguay, Argentine est une bonne réponse. Canada, États-Unis, Colombie, Argentine, Mexique est une bonne réponse. Antoine, c'est un arrière, c'est une mauvaise réponse. Techniquement, j'en ai donné 5. Mais en plus, tu les as pas consommés en plus. J'ai pas le temps. Y a pas écrit 5 ou plus. Tu n'as pas donné 5. Oui. Bon, bah, mauvaise réponse. J'ai donné au moins 5 pays. Hein. C'est faux. D'accord. Ok, c'est faux. Ok. Oh, il est trop saoulé. Trop le seul. Il est trop. Non, mais voilà, c'est faux. Oh, il a le démon, gros. C'est un procédé d'écriture. C'est une figure de style. C'est un procédé d'écriture. Tout à fait. J'ai une citation. Oh, oui, oh là là. Une façon d'exprimer les choses, mais d'une certaine façon. Oh, c'est pas bon. C'est vrai, en vrai. Oh, c'est faux. C'est dur à définir une figure de style. Alex, dis-moi si je me, où je me trompe. Non, mais c'est un peu vague, non? T'as pas dit que c'était écriture? En fait, c'est le mot procédé, quoi. C'est ultra dur à définir. C'est le procédé d'écriture, quoi. Ouais, mais bon... En fait, ils veulent savoir si tu penses que c'est une fusée ou un truc en français, quoi. C'est ça la question. Non, mais c'est ça l'histoire. Bah, elle est à deux points, quand même, tu vois. Non, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Maintenant, je vais être intransigeant, je suis désolé. Hein. Non, je suis désolé maintenant, c'est intransigeant. Arrête de chouiner, c'est bon. Une astuce d'écriture, c'est faux.
C'est de présenter quelque chose sous un angle différent. C'est faux. Une formulation littéraire qui est imagée, exagérée, contradictoire, etc. Ah, c'est un peu trop. Ça peut être à l'oral aussi, c'est vrai. C'est une chose. Oui, ça peut être à l'oral en plus. On est d'accord. C'est vrai que ça peut être à l'oral. Ouais. Pourquoi tu l'as pas compté le mien? Mais je suis désolée, mais. C'est un truc en français quand c'est stylé. Attends, mais c'est un sketch de Bigard. Mais non, pour moi, c'est pas bon, je pense. En plus, tu peux faire une allégorie à l'oral. Oui, mais sauf que t'as mis etc. Je suis désolée, etc. sur les trucs que t'as mis, c'est pas bon en fait. Bah, je suis désolée, tout ce que j'ai cité, l'exagération, etc. Bah, moi, il me semblait que tous les pays que j'ai cités, c'était des pays d'Amérique aussi, c'est bizarre. Mais c'était marqué 5 pays d'Amérique. Oui, bah, il y avait écrit qu'est-ce qu'une figure de style, etc. Je suis désolée, c'est pas bon. Une boule. Mais il y avait pas etc. J'ai explicité les figures de style qui existaient. Ah, c'est le croissant. Bien sûr, c'est le croissant. Je vais péter. Je croyais que c'était le pain au raisin. Je crois que l'histoire, c'est parce que c'était une pâtisserie qui a été faite par les Autrichiens pour fêter la victoire sur les musulmans, il me semble. C'est exactement ça. Ils représentaient le croissant arabe, tout à fait. Genre, on bouffe leur pays et tout. Exactement. Le pain au raisin, la schneck. Non, c'est perdu. C'est perdu. C'est le vrai nom du pain au raisin, qu'est-ce qu'il y a? Zera, tu t'es laissé aller, c'est temps. C'est le vrai nom du pain au raisin, la schneck. Chaque fois que vous mangez un croissant, vous effectuez un acte raciste. C'est yop, c'est upsilon. On a le droit aux fautes de frappe si on l'a. Tout dépend de la gueule de la faute de frappe, je vais pas te mentir. Yves. Mais c'est mieux que Yves. Yves. Non. Epsilon. Oh, j'ai fait une faute de frappe. Je voulais mettre U. Non, okay, non. Oui, bah oui, c'est une faute de frappe. Ah bah non, c'est pas. Bah non, c'est pas une faute de. J'avais écrit Epsilon. Ah bah oui, mais non, il y a écrit Epsilon. Non, non, non. J'avais écrit Epsilon. Iota, c'est non. You, c'est non. Le rébus signifie. Éolienne, tout à fait. Éoli. Mandeléen. N. J'avais écrit Éolion. Éolien n'est pas une bonne réponse. J'ai pas fini d'écrire. C'est dommage. Mais sérieux? Il me semble qu'il y avait tous mes pays, ils étaient en Amérique du Nord, du Sud et Central. Mais Antoine, c'était marqué 5 pays. La Florence, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas le bon rébus. J'ai pas eu le temps de finir d'écrire. C'est dommage. Bah, c'est dommage. Gros chien. 30 secondes. Mais j'ai mis un temps fou, j'ai compris aux 3 dernières secondes. Et bah, fallait comprendre plus vite. Est-ce que j'ai eu le temps d'écrire? Je veux plus jamais jouer au calcul avec Antoine, plus jamais. Mais si, parce qu'on va refaire à 30 questions là. Moi je vais me casser, enfin vous allez pouvoir le refaire, mais moi je vais me casser. Ah, mais il va jouer à son dead game là. Elle me dit, j'étais sur le stream d'angle droit, elle ment quand elle dit qu'elle avait pas le temps. Ah, pardon, j'ai non, 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 c'est pas vrai. Non, non, j'ai vraiment pas eu le temps de finir. Le résultat est le suivant. Bagara. J'adore dur quoi. Jidej. Allez. Zerator. Flonflon. C'est pas loin. Oh, pas très loin. Bien joué. Oh, Execo. Bien joué, Etol et Antoine. Faut refaire un 30 quest, mec. Ouais, ouais, un 30 quest, ça fait bien. 20, c'est vas-y, le plus. Vas-y. 30 quest. Petit der. Salut les amis, bonne soirée, c'était super. Merci beaucoup. Des bisous. Allez, amuse-toi bien sur ton jeu sorti il y a 15 ans. La gueule. Tu joues à des jeux qui sont sur des consoles que les gens connaissent même plus. Vous échirez la game. Ça vous dit, on repart de zéro, on fait fi des rancœurs du passé pour cette partie. Je sais pas, moi, mes pays, c'était en Amérique, mais bon, bref. Bah c'est vrai que sans le point, Antoine, t'aurais été. Bah oui, si on m'avait accepté ce point. Mais attends, Antoine, la première. Non, mais attendez, écoutez-moi. La première chose qu'on apprend à l'école, etc., c'est de suivre les consignes. Mais Bagheera, t'as été exclu de l'école, qu'est-ce que tu racontes? Je retiens bien. C'est réel, je ferme ma gueule. Résolvez ce rébus. Moi, j'invente des noms de Pokémon, moi. Quel est ce logo? Oh oui. J'aime beaucoup cette marque, et vous? Ouais. J'ai un ordinateur de cette marque, donc je suis très content. Oh! Oh, let's go, ça fait trop plaisir! J'en ai aucune idée. Enfin, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est lui, hein. J'ai encore du rap, c'est ça? Sur ma rupture! Let's go! C'est Vianney! Oh là là, oh là là, mais Rayou! C'était moi, j'écrivais les paroles. Ron doudou. Mais j'en sais rien. Bah, je crois que c'est lui. Et je crois que justement, ça a changé. Je sais pas, les questions foot, j'en sais rien. Non, c'est lui. Oh! Aucune idée de qui c'est. J'en ah mais sais si, rien. Ah si, attends. Allez, par contre, il y a Zidane derrière, ça j'en connais. Quelle est la capitale de l'Ukraine? Putain, je sais pas. Ça s'écrit M-O-S-C-O-U. Arrête, parce que j'ai juste un giga blanc, je les ai tout appris, c'est putain de capitale. Oh non, c'est honteux. Quel groupe interprète One More Time en 2001? Insuline et nicotine. Insuline et nicotine. Là ou pas? Attends. Ah oui. Je pense que tu l'as pas en temps. Fallait que je chante. Quoi? Ah, il faut choisir le mot, ok. Oh putain, c'est une chance sur deux. En vrai, ça se dit pas tellement, non? Normalement, on dirait plutôt appris ses distances. Bah ouais. Du coup, c'est ça, je pense. Ils sont durs, les questions là. Oh là là. Indice, il y a la statue de Gengis Khan équestre dans ce pays. C'est vrai ou pas? Peut-être. Bah, je te fais confiance, Antoine. Et bah, super. Tu l'as eu direct, Antoine? Oui, oui. Mais t'as menti ou pas? Je sais pas. Oui, j'ai menti, Bagheera. Non! Mais j'ai
sais pas qui c'est. J'en sais rien. J'ai pas. En plus, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? On va mettre en se tromper, on va mettre un mauvais le nom de blague au hasard. On va après, on va nous traiter de racisme. Le racisme, pas mal. Horrible. Ça va, t'es plus à ça près, Fred. Hein. C'est vrai. Oh putain, je sais plus ce que c'est. Oh putain, j'ai un doute. Attends, ah, je le connais. Non, je sais plus. Si, c'est ça. C'est sûr. Château Fort était la bonne réponse. Tout à fait. Chaopois, c'est non. Château Fort, c'est oui. Château, non. Évidemment, Château merde. Enfin, c'est l'homme pâle. L'homme pâle. Oui. Yeux disent le contraire. J'ai craché des mots. DFG est une bonne réponse. Tout à fait. Il s'agit de l'homme pâle. Il s'appelle Antoine comme moi. D'autant plus. Cristiano Ronaldo, CR7, c'est du coup une bonne réponse. Il a inscrit 127 buts en 166 rencontres. Ah oui, 2003. Jean-Pierre Papin. Non. Et c'est la cité du Vatican, ce drapeau, tout à fait. Oh oui. Vatican. Oui, ça me paraît. Oh non. Ah, c'est dommage, ça, Florence. Oh oui, oui. T'avais pas. La guerre de Suisse au Vatican. C'est Raoul. Raoul. Tout à fait, c'est Raoul. Zidane, derrière. Attends. C'est vrai. Me dis pas... C'est vrai. Techniquement, c'est pas faux. Techniquement, il a raison. Oh, c'est une masterclass en vrai. C'est en vrai, j'ai limite envie de lui dire oui. Oh non, mais mec, c'est... Désolé. Oh non, mais c'est exceptionnel. Eh, hey, compte-le en vrai. Compte-le, c'est exceptionnel. Florence, t'en penses quoi? Ah, moi je suis pour, hein. Ok. Oh putain, si j'avais su. Ok, c'est Kiev, tout à fait. Antoine, il a marqué les deux orthographes 100%. Oh, quoi? Oh, et oh, c'est pas moi, hein. Il est magnifique. J'ai un giga blanc sur cette question, c'était terrible. J'ai mis Kiev tout court, Florence. Voilà, comme quoi, les mauvais procès. Je pensais qu'on partait sur des bonnes bases, mais apparemment pas. Mais bon. Daft Punk est la bonne réponse, tout à fait. Qui est le groupe à interpréter One More Time en 2001. On l'a tellement entendu. Daft Punk, Thomas Bangalter, Gimeno, le même Christo, album Discovery, track 1. Tout à fait. Je le déteste. Je l'aime trop, c'est mon duo, je l'aime trop. Voilà. Daft Punk, voilà, c'est une bonne réponse. Mais pour le flex, quoi, juste pour le flex, pour étaler sa culture. C'est ça. Distancié est la bonne réponse sur le chef du parti, c'est distancié de la déclaration du ministre. Ah, bah oui, évidemment, distancié, sinon c'est la distance. Attendez, moi ça fonctionne aussi, j'en ai rien. Distancié est la bonne réponse. Désolé, quoi? Ça fonctionne. Elle est bourrée. Mais t'as pas compris la question? En fait, tu devais choisir entre les deux mots, Baga. Il y a un des deux mots entre parenthèses, fallait choisir un des deux, en fait, Baga. Moi, j'ai cru qu'il fallait trouver un synonyme, genre. Eh bah, ce n'est pas ça. Non. Eh bah, non, du coup. En plus, c'était un bon mot, c'était joli, Baga. J'ai galéré à l'écrire, hein, je savais plus comment s'écrivait et tout. Bah, il est super, mais c'est pas bon. Il est très joli, ton mot. Il est très distancié, tout le monde. C'est la Biélorussie, exactement. Mais chaque fois, la Biélorussie, je sais pas. Bah non, désolé, Bagheera, ce n'est pas la Mongolie. Okay. Et c'est la Biélorussie, Florence, bien joué. Bien joué. Merci, Antoine. Nous pume est la bonne réponse. Le verbe pouvoir, première personne du pluriel, du c'est simple, de l'indicatif. Voilà. Je pue. Et c'est vrai, ceci dit, mais j'ai pas envie de la compter. Nous pupus. Nous pupus. Cobaladé. Putain, j'ai pensé à lui, mais j'osais pas le dire parce que j'ai peur qu'on me dise que je suis raciste. J'ai failli mettre Doc Gynéco, moi. Lina Sex. Non. Là, ça, c'est raciste. Voilà, ça, c'est raciste, Lina Sex. C'est ses insécurités. Arrêtez. Tu projettes tes insécurités sur moi, Antoine. Hein. Il s'agit de Rolex. Attendez. Avant de passer à la suite, vous lirez le début du mot, vous comprendrez que j'ai voulu écrire ça, mais que mes doigts ont ripé. D'accord. Et donc, on te contrafaut, y a pas de souci. C'est Royal Canin. Bonne réponse. Je lui ai passé, j'ai pas eu le temps. Non mais attends. Comment t'as pu faire ça en fait? Parce qu'en fait j'ai voulu faire ça et passer après pour rire et j'ai pas eu le temps d'effacer. Mais j'ai vraiment écrit, ça se voit que j'ai voulu écrire Rolex au début, regardez. Rolex, s'il vous plaît. C'est une question à 3 points, hein, c'est une question à 3 points, j'ai envie de dire. On voit que je l'ai. Qu'est-ce qu'on dit les gens là? En vrai pour moi c'est bon, mais vas-y. Fred, vas-y. Allez, on la valide, c'est bon. King jouait, par contre, c'est mort. Vas-y, total, c'est parti. Il s'agit de... La dernière, On se demande. Baguera. Florence. La dernière. C'est moi. Et bravo, Rayou. Putain, 43 points.